Non, code fiscal là, qui parlait de l'exigibilité de la déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Côté que il dit, la déclaration définitive d'impôt est exigible et payable, d'accord? Ou bien est due et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année. Donc, je dis, hein, nous, 7 janvier 2019, date limite là, pour faire déclaration définitive d'impôt, normalement, sans pas gagner sur taxe, pas gagner sacré les intérêts de retard, c'est jusqu'au 31 janvier. Nous gagnons du 1er octobre, novembre, décembre, janvier, 4 mois pour faire devoir citoyen ça. C'est une obligation pour tout le monde faire. L'homme dit tout le monde qui a 18 ans, que ou a travaillé, qu'on c'est chômeur, que ou c'est étudiant, de pour 18 ans, ou supposé aller dans DGI, qui est plus près de la Kaiowa, pour produire déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Lorsqu'on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, ou supposé déclarer tout revenu que ou générer pour l'année antérieure là. Je dis, hein, nous en 2019, nous en exercice fiscal 2018-2019. Ou pas fait déclaration pour exercice fiscal 2018-2019, mais on fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu pour exercice fiscal 2017 à 2018. Exercice qui était fini le 30 septembre dernier. Nous t'avons année dernière dans le SAO, tu as gagné un attroupement à travers tout bureau de la DGI, tant dans le département de l'Ouest que dans tout pays, dans tout reste département, dans toute commune. Que mon nap travaille dans l'État, que mon nap travaille dans le privé, que mon nap pas travaille du tout, tout le monde supposé produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Déclaration définitive d'impôt sur le revenu, hein, on se dit là tout à l'heure, ou supposé déclarer tout revenu qu'on générait pour l'exercice qui passait. Ou bien doit, c'est un salarié, mais à côté salarié, ou l'autre activité économique qu'on a menée. Il y a un pile de monde qui est salarié, à côté de salarié ou salarié, mais il y a une boutique. Ou bien acheter motocyclette, vous mettez à faire trafic. Ou bien vous achetez machine qui fait trafic. Ou bien vous avez une maison en location. Ou bien vous avez actionnaire lié dans une entreprise quelconque. Tout revenu que vous générez ou supposé déclarer. Ou qui travaille ou pas une autre activité économique ou mener. Depuis déclaration franche, ou qu'on fait avec toute franchise, ou avec tout sérieux. Ou capable de déclarer salaire là. Et l'on déclare salaire là, ce n'est pas 10 pour 20 10 que vous avez touché tant comme. C'est soit que vous allez dans le ministère des Finances, ou allez réclamer un état de margement pour prouver que vous venez avec état de margement, mais combien comme vous touchez, mais combien comme vous prélevez sur vous déjà, l'on remplit les vraies déclarations définitives d'impôt sur le revenu qui prend le solde avec un certificat. Comme tous les citoyens, que citoyen t'a payé 1 milliard de gourdes comme redressement sous déclaration définitive d'impôt sur le revenu, il faut qu'on balaye un certificat. Que déclaration a été soldée en crédit d'impôt, il faut qu'on balaye un certificat. Ou bien certificat ça en main, que vous pouvez côté fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu. La loi ba nous autorité pour nous vérifier déclaration nan, à n'importe quel moment. Non, délai qui va dépasser 5 ans, parce que nous avons un délai de prescription qui est de 5 ans, que nous ne pouvons pas aller au-delà de 5 ans. Si vous avez 50 ans, ou tu as travaillé, ou pas jamais fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu, le nal vérifié au Gounia, nous ne pouvons pas remonter jusqu'à 50 ans. La loi dit que c'est 5 ans, et bien c'est sous 5 ans nous sommes capables de vivre.